Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elsword. On va continuer. J'ai décidé d'enchaîner par rapport à précédent épisode. On va faire une petite partie de Ranox aujourd'hui. Je pense on va essayer vraiment de se limiter à 30 minutes. Genre, ça va faire beaucoup d'épisodes, certes. Mais au moins, on aura 30 minutes de vidéo. C'est suffisant. On peut faire 4-5 runs de donjon, peut-être. Un truc comme ça. Mais c'est pas grave, j'ai décidé pour essayer de réduire un petit peu le temps requis. Pour ça, en vrai, le DS de Elder, il a quand même pris un certain temps. Donc voilà. On arrive à l'étrange geyser, hein, la sirène rose, dans un monde rose et rouge. Hop. La musique est très drôle, effectivement. Moi, j'ai bien... Attends. Par contre, les coups critiques... On est d'accord que ça fait beaucoup de bruit. Et vous savez quoi? On va baisser les sons. Vraiment, on va baisser les sons. Augmenter la musique. Voilà. Ça suffit, ça suffit juste pour que chez vous ce soit bien fort. Hein. Alors, à tous les vieux joueurs, le glitch ici a disparu. On ne peut plus glitch à travers la plateforme. Avant, on pouvait passer à travers et directement descendre à l'étage du dessous. On ne peut plus, c'est terminé. C'est triste. Oui, je sais. Mais bon, faudra faire avec. Alors, les petits poissons violets là, ils peuvent invoquer des amis. Pouf. Aïe. La musique est vraiment drôle. Non, je me ferai pas avoir. J'ai pas envie d'être mis au sol. J'ai pas de protection de KO avec ce personnage. Hein. Vas-y. Petit phénix et famille. Oh oui. Ce qui est bien, c'est que certaines attaques peuvent prendre les virages, notamment le séisme. Le phénix, putain. Je sais plus parler. Ça, c'est parce qu'il est 2h47 du mat, vous voyez. C'est la fatigue. Évidemment. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ici c'est le pays des poissons. Si vous avez faim et que vous voulez du poisson, n'hésitez pas à venir. Ils vous en donneront à cœur joie. Quoi? Gourde d'acier. Est-ce qu'on aura le temps de faire le prochain? Je sais pas. Si, normalement oui. Ah, mais j'ai oublié de faire la partie. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. C'est combien de mini-boss? Ah non, c'est que des boss. Ah oui, c'est que des boss. J'avais pas capté. C'est moi qui suis con. Excusez-moi. Alors elle, si on la laisse faire, elle part en arrière-plan et elle va partir. Voilà, bravo. Elle part jusqu'à deux fois en arrière-plan. J'aurais dû la kill. Hein. On va dire que c'était pour montrer. Hop. On la tue avant qu'elle reparte en arrière-plan. C'est bon, j'ai pas envie que tu repartes en arrière-plan. C'est assez long comme ça. Mais au moins par rapport à Avalanche, elle ne force pas. Vous pouvez très bien la comboter dès qu'elle revient. Pour l'empêcher de partir en arrière-plan. Avalanche, lui, quand vous le combotez, peu importe ce que vous faites, dès qu'il arrive à telle ou telle barre, si vous ne le one-shotez pas, il va en arrière-plan. Si vous lui retirez 99% de ses barres de vie et que vous le faites passer de 27 à 1, il va enchaîner les 3 arrière-plans. Les 3. Il fait une fois, il revient devant, il repart en arrière, il le refait, il revient devant, il repart en arrière une troisième fois. C'est chiant, mais c'est comme ça.
Ah, du coup, force c'est... Attends. Ouais. D'ailleurs, dites-vous bien que level 95, je vais pouvoir porter ce magnifique stuff Elianod qui se trouve dans ma banque. Celui-là. Qui est parfait, full parfait, pété as fuck. Si je le porte, là, littéralement, j'encule tout le jeu. Enfin, du moins jusqu'au level 99. Après, je vais un peu m'enculer. Je vais toujours faire mal, tu vois, mais un petit peu moins. De toute façon, vous verrez. Oh, je finirai par Anox aujourd'hui, c'est impossible. Quoi? Ça fait que 5 minutes de vidéo? Pourquoi j'ai l'impression que le temps passe si lentement? Ou alors c'est moi qui ai l'impression que ça va trop vite? D'accord. J'ai rien fait, hein. J'ai juste mis le booster. Et t'as mon arme qui s'est déchaînée en mode... Pas grave. C'est pas grave, on vous aime. Hop. Au moins on a une faune diverse et variée. Hop. Ah les poissons. Aïe. Ah voilà, elle m'a touché la sirène, du coup je suis au sol. Est-ce que j'ai le temps pour un phénix? Non. C'est pas grave. Bon. Ah! Non! Non! Reviens ici! Son pote! Je brûle tout! Et vous, vous crevez. Oups, 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 non, non, tu n'appelleras pas tes potes. Petit saligo, il a essayé, hein. Il a essayé de fuir. Ça ne marche pas avec moi. Ouf. Donc là, de retour du boss, enfin du mini-boss plutôt. Aluminium confus. D'ailleurs, c'est pas bugué dans la quête? Non, ça a été corrigé. Bien ça. Bien, c'est bien, ils se rendent compte de leurs erreurs. Ouf, one shot. Ah! La sirène. Je trouve les bonnets de bain que les ennemis portent ridicules. Ah oui, la cinématique, j'avais oublié de vous la montrer. Donc eux, je vous les avais déjà spoilés du coup. In et Jin. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y en a une qui est très peu vêtue, je sais. C'est ce qu'on appelle le fanservice, vous savez. Vous connaissez le fanservice? Bah c'est comme elle. Pourquoi est-ce qu'on voit ses seins à moitié à l'air? Ah ouais, je sais pas, c'est peut-être pour faire dresser la bite, bah oui. Bravo Jean-Raoul, effectivement c'est bien ça. Tu as gagné le droit de te masturber sur des personnages d'animé. Chouette. Chouette, je vais le faire maintenant. Non, 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 s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Jean-Raoul. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. Et tout ira bien. Ça fait combien de temps? J'ai l'impression d'être trop rapide. Pourtant, je me trouve pas spécialement rapide. On aura peut-être le temps de faire Ignia aussi dans cet épisode. Peut-être avec un peu de chance, Iplitan. Je pense pas, mais on va essayer. Je vais essayer... Je vais essayer de peu monter en ce moment. Pour donner un air plus naturel à la série. C'est fait exprès. Totalement.
Ah là c'est déjà mieux, on n'entend plus trop les sons. Honnêtement je préfère ça. Hop. Ouais mais les voix non plus on les entend plus. C'est pas grave parce que bientôt on aura plus de voice acting. Alors on pourra laisser tomber les effets sonores. Mais c'est bien. Non je vais essayer de réécouter les bruitages d'Elianode. Ce serait marrant. Ah. Oh, j'ai pas été touché. Tiens, bouffe. C'est déjà la troisième. Ouais. Après, c'est Ignia. Bouffe. Vas-y, on speedrun. Allez, speedrun. Go speedrun. Donc, potion. Pour speedrun, il faut potion. Non. Ah bon, si ça marche en fait. Pouf. Alors le S au-dessus de la tête, ça veut dire qu'elle a une protection KO et ne peut pas être mise au sol ou interrompue. Et la plume, ça voulait dire vitesse. Excellent. Ouf. Ouh, j'ai failli me la prendre. Oh, le speedrun de fou. Hop. Hop. Voilà, parfait. On arrive au boss. Je pense qu'un fatalité devrait tuer. Oh, je suis passé à travers. Pas grave. Oh là, je suis deg. Voilà ce qui se passe quand on va trop vite. 2 minutes 43. Alors là, par contre, j'ai peut-être un peu trop speedrun. Je suis un fou. Je suis un fou. On arrive déjà au quatrième donjon de Ranox. Je suis un fou. Je suis un fou. Les gars, on avance trop vite. Eh ben, ne vous inquiétez pas. L'end game, ça va être un énorme mur que je vais me prendre. Vous allez vite comprendre. Putain, les mecs qui se ramènent ici là, avec sanguin en plus. Ouais, l'espèce de porte bleue qu'il avait sur la tête. Allez, c'est parti. On en est à la porte du feu volcanique. Ignia, oui, 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 c'est l'un des PNJ de Ranox, ça tombe bien. C'est parti. Donc voilà tout ce que je vous avais spoil dans le DS. Aïe, aïe. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. J'ai bien fait d'avoir baissé les effets sonores. Hop là. Aïe 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 aïe, je suis trop fort. Ah. Ah putain mon doigt. Alors oui, on a Ignia qui nous aide d'ailleurs dans le donjon, hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. On a une protection KO qu'elle nous a mis. Elle nous donne des petits bonus. Elle est avec nous, elle tape, elle fait des trucs, elle fait sa vie, tu vois. Alors, ce que vous voyez, et pourtant, ce que vous voyez sur l'écran de chaque chargement de donjon, c'est le boss. Il y aura juste une petite exception, deux exceptions qu'on verra. Fin Elysion, début Elianode, où le boss n'est pas représenté. Vas-y, régène. Parfait. Voilà, le donjon est scripté. À certains endroits, on reçoit certains buffs. De la part de Ignia, la prêtresse du feu.
Et accessoirement la plus forte, je crois, des prêtresses. C'est un peu une lancière. Hop. Les gros sont morts. Il reste plus que les petits. Oh, donc là, faut pas que j'oublie la cinématique. Voilà, la petite coulée de lave qui part et... Bon, évidemment... Excuse... Oh, j'ai pas tué! Le mini-boss, il est là, c'est lui. Dégage-toi. De toute façon, du moment que la boss crève, tout le monde crève. Parce que là, ils sont pas morts, en fait. Elle peut les ressusciter une fois. Mais quand elle meurt, ils meurent tous. Voilà. Écoutez bien cette musique parce qu'elle est dégueulasse. En fait, c'est un réarrangement de la toute première musique qui avait été insérée. Et elle est immonde. Ah, je le dirais toujours. Cette musique, elle est toujours autant dégueulasse. Même 5 ans après. Pourquoi ils ont fait ça? La première version était beaucoup mieux. Ouais. Sinon, on adore les gens qui écrivent n'importe quoi dans le chat mégaphone. Hein. Bon, ça c'est... Vous allez prendre l'habitude, hein, parce que bon, on n'a pas une commu non plus avec un QI de 300. Allez, c'est parti, le retour de la porte du feu volcanique. On affronte du coup des tas de cailloux, littéralement. On va aller poutrer du caillou. C'est rare de dire ça. Ah, il est pas mort, lui. Ah si, le poison... Ouais, empoisonner des cailloux. Apparemment, ça marche. Parce que les cailloux en sont morts. En même temps, on peut dire qu'ils en sont restés de marbre. Ouais. C'est la fatigue. Promis, après ça, je vais me coucher. Hop. J'en avais peut-être pas parlé, mais les passifs, genre ça, ça donne des CP. Hein. Les CP, les capacités de combat. Là, je suis à 120 000. Avec le passif 80, je vais monter encore plus haut. Ça compte, hein. Donc si votre personnage a un passif naturel qui donne du ravage ou du critique, si c'est pas en stack bien entendu, ça vous donnera de la capacité de combat. Allez, c'est clear. C'est trop facile. Ah, elle l'a tué, parfait. Hop. Parfait. On se met une potion. Hop. On la kill instant. Et j'ai pas réussi. J'ai cru que j'avais chopé un accessoire. Ça m'aurait fait une quinzaine de millions. Gratuitement. Non, c'est juste un vieux javelot de merde. C'est quoi le prochain? J'ai plein de quêtes qui sont finies là. Ah, attention!
Je l'ai eu. Et maintenant... Oh mon dieu, 133 000. Ah, c'est parfait ça. Alors oui, je voulais faire ça, mais je l'ai pas achevé. Dites-vous bien que tous les dégâts que je fais, je suis qu'en plus 8. Hein. Imaginez en plus 9. Hein. Et je suis même pas sorti. D'ailleurs, je suis bientôt level 90. Hein. Donc je vais avoir la quête... partie 1. Le passif. Ah oui, parce que... Le passif 80. Pour pouvoir le faire, il faut être level 80. Et le passif 90, il faut être level 90 pour pouvoir commencer la quête. Eh oui, c'est pas genre t'es transcendé, paf, tu peux faire les quêtes. Non, non, non. Il faut augmenter les levels. C'est malin, un peu fort, non? Non, ça va, en vrai, je, ma voix passe toujours par-dessus, donc... no soucis. Hop. Pour l'instant, on se rapproche des combats les plus badass. Hein. Clairement... je pense que bientôt on a les Elysion. Elysion sera déjà beaucoup plus intéressant. Faut pas que j'oublie les cinématiques aussi. Bon, ici il y en a pas, mais faut pas que j'oublie. Ah, les faucons, c'est chiant. La musique est cool, hein, j'aime bien. Ok, nice. On attend parce qu'il faut qu'il meure en fait. Voilà. Ah, c'est bon. Ça en mode héros, pour le coup, c'est fort. Enfin, c'est fort, c'est cool. Bah, allez, voilà. Démon enchanté, Jin. Oh mon dieu. Aïe, aïe. Pour le coup, elle est plus forte que son frère, entre guillemets. Parce qu'elle est plus chiante avec ses espèces de lames. Lames chaînes. Lui, c'est juste aspiration. Booster, pilotant. Et putain, c'est parti. Je l'ai. One shot. Aïe. Normalement, à mid-part, il détruit le sol. Bah, on va le refaire de toute manière. Accéder à la porte du feu volcanique. Ah, je me suis trompé de donjon. Fallait refaire Ignia. Bon, on fait en express. Mais au moins vous avez vu Hippitant pour une fois. Ça veut dire que à la fin de l'épisode, si je suis encore à Hippitant, ben je vais le faire en hors cam. Ouais, attendez, vous savez quoi? Je fais une petite pause le temps d'y arriver. Ok, on se retrouve pour ce dernier run d'Hippitant. La quête épique, du coup. Hop, c'est le temple du feu. Donc j'ai décidé d'avancer un petit peu avec la pause. Pour qu'on puisse... rattraper le fail et du coup avoir une petite accélération.
Donc je me suis dit j'allais en faire un deuxième. Et le troisième je vous le fais en vidéo. Donc il est là, le voici, le voilà. C'est bien parce que niveau timer c'est correct. Bah alors, meurs. Mais pourquoi j'arrive pas à utiliser mes skills ce soir? Genre, j'ai appuyé 3 fois sur une compétence. Parfait. Donc là, on réaffronte les jumeaux. Et cette fois-ci, le tigre, donc hyplitant, je vais le laisser détruire le sol pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça fait. Encore une fois, dites-vous bien que vous n'aurez pas tous ces dégâts-là. Vous allez faire beaucoup moins de dégâts. Oubliez, vous n'oubliez pas. Moi, je fais ça. Vous ne lui retirerez même pas la moitié de sa vie. Ah. Voilà, le sol se dérobe. Et si tu tombes, bah tu tombes. D'ailleurs, fun fact, est-ce que ça marche encore le bug? Ah non, ils ont retiré le bug. Avant on pouvait volontairement descendre sous l'arène depuis les bords. Comme si tu descendais une plateforme. C'est dommage hein, il a genre 10 millions de vies, je l'enlève en un coup quoi. Moi, mais après, c'est normal, j'ai beaucoup de. D'avantages. N'oubliez pas que vous, les avantages, vous ne les aurez pas quand vous ferez le jeu. Donc là, maintenant, le prochain, du coup, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est encore ça. D'accord. Bah, c'est parfait. Ça sera notre dernier donjon avant. Avant la fin. De la vidéo, je pensais avoir fait un hyplitant de plus. Bah finalement je crois que je me suis fail. C'est pas grave. Je pensais parce que ça m'arrange. Parce que si j'avais fait un hyplitant de bah si je devais faire Scar maintenant, je me serais dit dans ma tête, allez il faut que je les finisse tous. Comme ça on finit la vidéo sur on finit Touranox. Sauf que du coup bah là il y a un hyplitant à faire et après c'est Scar. Donc du coup on fera Scar dans le prochain épisode. Et on va pouvoir s'arrêter sur Hyplitant. Bah c'est comme ça que je vais faire du coup. Comme ça vous aurez la fin de Ranox dans le prochain épisode. Et on pourra commencer Elysion d'ailleurs. Enfin Elysion, Atlas. Et je vous expliquerai aussi brièvement, mais alors très brièvement, le chapitre 20, comment ça fonctionne. Parce que le chapitre 20, il est très spécial. Ça, on verra ça la prochaine fois. Parce qu'en fait, le chapitre 20 exploite la mécanique des champs. Une mécanique qui n'existe plus de nos jours, en fait. C'est tout ce qui est en dehors des villages pour taper les mobs. C'est des trucs qui sont inutilisés aujourd'hui. C'est insane m'écrite hein. Insane. J'ai l'impression d'être à 100%. Alors que pourtant j'ai que 34% de crit. C'est pas mal hein.
Ah bah, j'ai failli utiliser un skill, mais même le boss de Thunder, il a décidé de s'en mêler. Après, je pense que ce qui me donne le plus de dégâts, c'est ça aussi. ASD, du ASD à 25%, donc all skill damage, c'est pas mal. Allez, prends ça. Suivant. Mais non, mais il s'est TP. Oh là là. Ciao. Ouais, des fois tu peux avoir ce genre de ralenti parce que le boss y est mort, quoi. Bon allez, on le one shot hein. Est-ce qu'on peut? Ah oui, on peut. Il a moins de 18 millions de PV. D'accord. Sauf qu'avec un peu d'ASD, tu fais plus de 18 millions de PV en fait, de dégâts. Le gouffre, parfait. Et ben nous, on fera ça dans le prochain épisode, le gouffre. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour la fin de Ranox, donc avec le gouffre, dans le prochain épisode. Donc le prochain épisode, voilà, c'est lui, Scar. Et du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à tous, bye tout le monde!